Muștel TV, printr-o ediție specială la Vama Vremii, a intrat pe poarta uzinei Dacia de la Mioveni, uzina cu cea mai mare cifră de afaceri din România, care asigură peste 16.000 de locuri de muncă directe și vreo 200.000 de locuri de muncă pe orizontal în toată țara. Uzina Dacia a luat ființă în toamna anului 1966. Din 2 iulie 1999, Renault a preluat Dacia ca marca grupului. Cu o investiție de 2,4 miliarde de euro în uzina de la Mioveni, Renault duce Dacia mai departe, după o jumătate de secol de existență. Uzina de la Mioveni asigură 3% din PIB-ul României. Exportul României este de 4 ori mai mare prin exportul Dacia. Suficiente motive pentru a-l căuta pe președintele grupului Renault România, directorul general Automobile Dacia, domnul Yves Caracatsanis. Azi avem la Vama Vremii prezentă Dacia, suntem acasă la Dacia și foarte repede veți descoperi multe, multe lucruri interesante direct de la domnul director general, care e chiar aici prezent în Vamă, lângă mine, pentru dumneavoastră, stimați spectatori. Bonjour, monsieur director general. Bună ziua, domnul Badiou. Ça va? Très bien, merci. Voyez les différents modèles? Les vedettes d'ici? Les vedettes d'ici. Mais les vedettes du mondial de Paris? Vedettes du mondial de Paris, elles sont en train d'être produites et elles seront commercialisées d'ici la fin de l'année en Roumanie. Mais bon, merci, on verra. Domnule director, în perioada interbelică, la români era o vorbă. Se întâlnea român cu român și se întrebau: ce mai e pe la Paris, mon cher? Eu vă întreb acum, ce mai fac dacile noastre la mondialul de la Paris, pentru că ne întâlnim exact în perioada desfășurării salonului auto de la Paris. Cu diferența că în loc de mon cher, eu pun strict domnule director general. Donc monsieur, c'est effectivement nous sommes dans la période du salon de Paris et nous avons eu l'honneur de révéler pendant le salon de Paris les nouvelles Logan Sandero, donc avec la nouvelle signature lumineuse, donc avec des LED, avec des nouveaux boucliers et avec des nouvelles technologies, donc notamment caméra de recul, un nouveau volant et sur un nouveau moteur aussi, donc le moteur 0,9 litres 3 cylindres, donc qui permet d'avoir 10% de consommation en moins par rapport à la version précédente. Et par ailleurs aussi, sur Duster, nous avons révélé une nouvelle boîte automatique, donc boîte automatique EDC, qui sera commercialisée au premier trimestre 2017. Et en ce qui concerne les nouvelles Logan, Sandero et aussi Logan MCV, donc la commercialisation aura lieu d'ici la fin de l'année. Voilà, donc une gamme moderne, une gamme qui vit, et une gamme qui répond aux besoins des clients, puisque ça a été aussi l'occasion pendant ce salon de rappeler la success story de Dacia, et notamment les résultats de 2016 qui sont en très forte progression, puisque nous battons les records de commercialisation dans 27 pays sur 44. Nous battons aussi les records de volume. Nous avons des parts de marché en hausse en Europe, puisque nous sommes sur les premiers mois de l'année, les 8 premiers mois de l'année, à 2,9%, donc en progression par rapport à l'année précédente, à 2,5%. Domnule director general, că tot ați vorbit despre vânzări, în 2015 Dacia se plasa într-un clasament pe care l-am la dispoziție undeva pe locul 8 după Maroc la vânzare pe piața României. Cu toate că 29.625 de unități vândute în România plasa Dacia în prima poziție ca vânzător în România, dar la nivel general de vânzare se situează undeva, spuneam, după Maroc, în spate doar Marea Britanie, foarte aproape, la 26.000 și de unități, apoi Belgia și Polonia.
În 2016 ne vom aștepta la o poziționare mai bună în acest clasament pe care l-am identificat eu general, adică vom vinde mai multe mașini în România. Donc par rapport au marché roumain, donc c'est un marché qui a du mal au niveau du marché des véhicules neufs à retrouver son niveau qu'il y avait avant la crise de 2008, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Donc nous sommes encore quasiment à deux ou trois fois moins que le marché véhicules neufs avant 2008. Donc sur ce marché, Dacia reste leader avec 28,7% de part de marché, donc sur 2016. Et tous nos modèles sont leaders sur leurs différents segments. Et les trois modèles les plus vendus en Roumanie sont Logan, Duster et Sandero. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit, les volumes globaux augmentent dans d'autres pays, donc ce qui fait que le classement en comparaison n'est plus exactement le même. Donc il est trop tôt puisqu'on ne donne pas de projection de volume ni de projection commerciale d'ici la fin de l'année pour dire quelle sera la position de la Roumanie par rapport aux autres pays européens. Mais bien évidemment, nous gardons la position de leader. Après, le nombre de véhicules vendus dépend du positionnement du marché véhicules neufs roumain par rapport aux autres pays européens. Et donc, nous supportons toute mesure qui vise à soutenir le développement du marché véhicules neufs de manière à ce que nous puissions effectivement produire plus de véhicules ici dans cette usine destinés au marché local. Aujourd'hui, nous exportons 93% des véhicules produits en dehors de la Roumanie. Domnule director general, v-am urmărit discursul din prezența președintelui Franței, domnul François Hollande, recent aflat în vizită în România. Și am fost, recunosc, surprins să constat, din punctul meu de vedere, aproape excesive cuvintele cu generozitate adresate vis-a-vis de România, vis-a-vis de calitățile constructorului român, Dacia. Ba chiar la un moment dat, în final, de altfel, ați punctat spunând că doriți să fiți ambasadorii excelenței româno-franceze. Mai mult decât atâta, ați făcut și o trimitere istorică la relațiile dintre cele două culturi franceze și române, care datează încă din secolul XVIII. O analiză foarte atentă, de detaliu, care m-a dus cu gândul imediat la experiența dumneavoastră de supply chain, sper că am pronunțat corect, adică un expert în managementul relațiilor. V-aș ruga să detailați cu această ocazie cele ce v-am prezentat. Il suffit de se promener en Europe et on le voit avec les volumes de vente. Quand on vend et quand on est bien positionné dans des pays comme l'Allemagne, comme la France, des pays européens où les clients sont très exigeants, il est évident que Dacia, en tant que marque et les produits, sont reconnus par ses clients en Europe. Donc on est, à un moment donné, on disait Dacia marche bien en Europe parce que c'est la crise en Europe et donc c'est une voiture de crise. Maintenant, il y a la crise est un peu derrière nous en Europe et on voit que les volumes de Dacia continuent d'augmenter. Donc ça veut dire que nos clients, ils ont une relation particulière par rapport à la marque Dacia. Et cette marque-là est reconnue en Europe. Donc on est passé d'une marque qui avait une image de marque low cost à une marque qui est plutôt une image d'achat malin, smart buy. Et nos clients sont fidèles. Il y a eu le pique-nique des amis de Dacia en France, il y avait plus de 10 000 personnes. Il y a des fans sur Facebook, donc ça veut dire qu'on a ce rapport-là. Donc effectivement, Dacia, je pense que c'est l'image en Roumanie, à l'extérieur de la Roumanie, de la réussite du travail en commun franco-roumain. Et si on en est arrivé là, c'est grâce à l'excellence des collaborateurs français et roumains qui ont contribué à faire cela après la privatisation. Donc c'est une vraie réalité. Moi, je travaille avec la Roumanie depuis plus de 10 ans.
Quand j'étais patron des prototypes en France pour le groupe, j'ai installé ici à Mioven le premier atelier prototype en dehors de la France, et donc je venais très régulièrement. Quand j'étais à la supply chain, de la même manière, j'ai beaucoup travaillé avec la Roumanie, et quand mon poste d'avant, patron industriel de la région, j'avais la Roumanie dans ma responsabilité. Donc je connais bien la Roumanie, j'ai vu l'évolution, et c'est vrai que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que Dacia a aussi permis au groupe Renault de se déployer internationalement. Et donc c'est une réussite commune franco-roumaine. Et quand on dit le 18e siècle, l'histoire est là. Je suis allé visiter le musée Golești qui est dans le coin. Et on voit avec la première école roumaine, avec Banul Radu Golescu, qui avait aussi une expérience en France, etc. On voit que l'histoire est là. La langue française aussi a longtemps été parlée en Roumanie. Donc il y a une histoire entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Nous arrivons à nous comprendre parce que nous avons appris à nous comprendre et nous savons et nous arrivons à travailler ensemble. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que mon intervention, en tout cas, était tout à fait sincère. Et c'est vraiment ce que je pense. Et que je confirme après avoir passé quelques mois depuis le mois d'avril ici avec les équipes, je vis avec ma famille ici et donc je profite chaque occasion, donc je viens plusieurs jours par semaine à Mioven dans l'usine pour rencontrer les collaborateurs, pour voir sur le terrain ce qui se passe et pour identifier les points où nous sommes forts et les points qui nous restent à continuer à développer parce que nous sommes dans une compétition, donc il faut continuer à nous améliorer pour bâtir la suite de la success story avec nos équipes, avec la Roumanie et avec l'ensemble de nos clients. 36 900, le chiffre de 2015. Domnule director, față de afirmația dumneavoastră cu privire la sinceritate, nu mai este niciun dubiu. Eu vă cred că sunteți sincer atunci când ați făcut afirmațiile cu privire la, la Dacia, laudative, le-ați făcut în fața președintelui Franței și nu numai în fața autorităților oficialilor români. Je suis toujours sincère, mais ce qui est important, c'est que à la fois le président de la République française et le président de la Roumanie ont utilisé Dacia et la réussite des salariés de Dacia comme exemple de la bonne relation franco-roumaine, à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique. Et aussi comme exemple pour de nouveaux investisseurs qui peuvent venir en Roumanie. Donc c'est très important aussi pour l'avenir de la Roumanie qui me tient aussi à moi très à cœur. Et vous avez bien noté que j'ai insisté sur les points importants pour la compétitivité du pays. Les points importants que sont l'éducation, les points importants que sont la stabilité des législations fiscales et législations du travail, les points importants que sont la compétitivité et aussi les points importants qu'est l'infrastructure pour tous les nouveaux investisseurs. În ecuația competitivității, cu siguranță intră și resursele umane. Următoarea întrebare vizează resursele umane. Turcii sunt îndeopște catalogați drept curajoși. Marocanii, am reținut eu, sunt catalogați drept ambițioși. Despre ruși, sincer să fiu, nu știu prea multe. Domnul Nicola Mor, când se va întoarce, ne va spune mai multe. Eu acum vă rog pe dumneavoastră să evaluați resursa umană de aici, de la Dacia, și să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră, cum ați găsit români de la Dacia. Donc ce que je peux dire, c'est qu'en 10 ans, puisque je travaille avec la Roumanie depuis 10 ans, j'ai vu beaucoup d'évolutions positives des équipes en Roumanie, donc à la fois sur le professionnalisme, à la fois sur le niveau d'éducation, sur la motivation, et aussi sur la confiance en soi. Puisque il y a 10 ans, moi je me rappelle, quand les équipes de France venaient pour travailler avec les équipes roumaines,
ils n'avaient pas forcément suffisamment confiance en eux par rapport à leurs possibilités, à ce qu'ils savaient faire. Donc maintenant, tout ça, c'est le passé. Donc nous avons ici des équipes de bon niveau d'éducation. Nous investissons beaucoup dans la formation. Nous avons plusieurs millions d'heures de formation qui sont données à nos collaborateurs. Et donc, le résultat et les résultats de Dacia et du groupe, c'est le résultat de chaque salarié de l'entreprise, par sa motivation et par son professionnalisme. Après, notre responsabilité en tant qu'employeur et la responsabilité de chaque collaborateur, c'est de continuer à progresser, parce que nous fabriquons des produits vendus à des clients. Les attentes de nos clients évoluent. Les clients veulent plus de qualité. Les clients veulent garder des voitures abordables, les clients veulent des voitures modernes. Donc, chacun d'entre nous, nous devons continuer à progresser et nous devons continuer à nous éduquer. Donc, c'est pour ça que nous avons des programmes de partenariat avec 15 universités. C'est pour ça que je suis allé faire la clôture juste derrière au lycée technique sur la promotion au mois de juillet des étudiants qui avaient fait des formations spécifiques pour la mise au point sous presse à la soudure. Et donc nous travaillons avec le système éducatif, et ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, de manière à faire adapter les parcours éducatifs par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc comme dans toute compétition, puisqu'on est dans une compétition, le monde automobile c'est un monde de compétition, comme dans toute compétition, on est aujourd'hui bien positionné. Nous devons continuer à progresser pour rester dans la course. Et bien sûr, tous les pays, tous les constructeurs, toutes les lignes du monde progressent en même temps. Donc ma responsabilité et notre responsabilité à chacun comme salarié, c'est de continuer la dynamique de progrès que nous avons eue ces dernières années et qui nous place aujourd'hui dans les très bonnes usines de l'alliance Renault-Nissan. Donc nous devons continuer dans cette dynamique-là, parce que quand on s'arrête, eh bien les autres continuent à avancer et on se fait dépasser. Donc nous devons rester en tête, garder notre avantage. Et nous avons une force ici en Roumanie, c'est que nous avons l'ensemble des métiers d'un constructeur automobile. Nous avons l'ingénierie, nous avons le design, nous avons la fabrication véhicule, la fabrication mécanique, nous avons la vente et la pré-vente. Donc nous pouvons être très efficaces ensemble, avec l'ensemble des collaborateurs, pour continuer dans cette dynamique et garder notre avance pour bâtir le futur de l'entreprise et le futur des emplois et le futur des activités, pas seulement pour nous, mais aussi pour la Roumanie, parce que nous avons 1000 fournisseurs, nous achetons 2 milliards d'euros à nos fournisseurs, donc les emplois ici, c'est des emplois aussi autour de nous en Roumanie, pour l'ensemble du tissu économique. Donc c'est très important pour le Judex, pour les villes Mioveni, Pitești et pour la Roumanie au sens large, avec le poids de l'industrie automobile en Roumanie. Vous pouvez me faire confiance pour continuer à travailler avec les équipes, avec chaque salarié, de manière à maintenir cette compétitivité, parce que c'est indispensable pour nos clients et pour l'avenir. Sunteți compania cu cea mai mare cifră de afaceri din România la ora actuală. Profitul este în ușoară creștere de la an la an, ceea ce ar trebui să bucure probabil și statul român, pentru că de pe urma profitului Renault încasează impozitul aferent. Sigur, dumneavoastră alimentați și bugetul localității pe care vă desfășurați activitatea Mioveni. Un factor important vis-a-vis de aceste cifre reprezintă cu siguranță costul salarial, costurile salariale. Un subiect pe cât de sensibil, pe atât de important și de așteptat de cei care ne urmăresc. Vă rog să ne spuneți cum priviți dinamica costurilor salariale și ce ne așteaptă. Les coûts salariaux sont une partie de l'équation de la compétitivité, mais pas l'ensemble des coûts de la compétitivité, hein, puisqu'il y a tout un ensemble pour fabriquer une voiture. Donc, comme vous l'avez dit, en tant qu'entreprise, nous sommes contents de contribuer et satisfaits de contribuer à la vie des collectivités locales, puisque par rapport à la ville de Mioveni, je pense qu'on fait à peu près la moitié par notre contribution. Sur les coûts salariés, donc salariaux, donc
vous savez que les coûts salariaux ont augmenté ces dernières années. Donc ce qui est important, c'est pour maintenir la compétitivité, c'est la modération salariale. Donc ça veut dire d'avoir une cohérence entre l'évolution des coûts salariaux et la productivité que l'on est capable de faire. Donc aujourd'hui, les salariés ont eu un salaire en gros multiplié par 3 depuis 2007. Le salaire moyen brut d'un opérateur d'achat en incluant les différentes primes, le salaire de base, l'ancienneté, les heures supplémentaires, est à 4 700 lei. Donc par rapport à ça, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit salariés, que ce soit partenaires sociaux et que ce soit nous, nous devons être raisonnables par rapport aux évolutions de salaire, de manière à garder notre niveau de compétitivité et de manière à préserver les emplois et l'avenir de l'entreprise en Roumanie. Donc après, la compétitivité, il y a aussi la qualité, il y a aussi les coûts logistiques, il y a tout un ensemble de... Il y a l'efficacité de nos investissements, hein, donc nous modernisons l'usine. Il y a aussi les nouveaux produits que nous développons et que nous lançons. Et ça peut se faire, avoir des nouveaux produits, que si nous restons compétitifs, hein, parce que c'est un cercle vertueux. Donc voilà le point important. Donc important d'être tous ensemble. Et je pense que l'ensemble des acteurs comprennent bien les enjeux de la modération salariale pour maintenir la compétitivité avec le niveau de rémunération qui est celui que nous avons aujourd'hui dans l'entreprise. Et donc les fournisseurs, la compétitivité des fournisseurs est aussi très importante. Et donc par rapport aux salariés, ce qui est aussi important, c'est le cadre de vie dans lequel ils vivent dans les villes de Mioven et aux alentours. C'est aussi ce que nous faisons dans l'usine et sur la plateforme pour améliorer les conditions de travail. Donc nous avons beaucoup investi pour améliorer les conditions de travail aussi des opérateurs et de nos salariés. Donc il y a aussi l'assurance maladie pour nos salariés, les repas dans l'entreprise, l'aide par rapport au transport, etc. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place et qui continuent pour améliorer le cadre de vie au travail des salariés. Et aussi, nous sommes heureux qu'ils puissent avoir un cadre de vie à l'extérieur, dans les municipalités, qui soit de bon niveau. Ce que j'ai pu voir en visitant à Pitești certaines crèches, certaines écoles, les centres sportifs, etc. Donc on voit que le cadre de vie est aussi important. Sachant que les conditions au travail et la sécurité, c'est un point très important pour nous. Donc et nous y travaillons très fortement. Domnule director general, într-un interviu mai vechi, președintele Carlos Ghosn dezvăluia cum regele, majestatea sa, regele Marocului, a intrat în birou la domnia sa și l-a întrebat ce trebuie să-ți dau ca să vii să-mi implantezi o fabrică, o uzină în Maroc. Ce trebuie să fac eu? În Rusia observ la Toliati, unde au dezvoltat acolo una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare capacitate de producție de automobile din lume și unde se fabrică Logan, Duster, Sandero. Președintele Vladimir Putin este prezent foarte des în fabrică. Eu acum vă întreb dumneavoastră, cum evaluați așteptările, să le spunem așa, din zona activității de afaceri publice în România? Donc le premier point que je voudrais souligner, c'est de remercier les autorités locales et nationales, puisque depuis la privatisation, si le groupe et si la marque est arrivé au bon résultat que l'on a aujourd'hui, c'est grâce au travail en bon partenariat et au support des autorités locales et nationales. Donc tout d'abord, c'est un point très important à souligner, et ce partenariat continue et nous le continuerons avec les autorités locales et nationales. Donc après, sur les attentes en tant qu'investisseur, comme tout investisseur, alors nous en tant qu'investisseur, nous sommes déjà implantés ici,
Mais je vais raisonner de manière plus large. Finalement, qu'est-ce qu'attend un investisseur qui doit venir dans un pays? Donc il attend ce que je disais précédemment. Donc il attend un bon niveau d'éducation, avoir des personnes qui ont le niveau d'éducation requis par rapport aux besoins. Donc c'est pour ça que nous investissons beaucoup avec l'université. Le deuxième point, il attend une compétitivité du pays. Troisième point, il attend une prédictibilité des législations fiscales notamment et sociales. Et quatrième point, il attend une bonne infrastructure. Donc tous les investisseurs, quand ils choisissent un pays, sont les différents points qui sont importants, et ce sont les différents points sur lesquels nous échangeons avec les autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Donc ce que nous attendons, c'est ce premier point-là. Et après, en tant que fabricant automobile, un point majeur est la situation du marché automobile des véhicules neufs. Donc c'était plus de 300 000 en 2008, on va être à plus de 100 000 cette année. Donc finalement, on est dans les pays d'Europe qui n'ont pas totalement et qui n'ont pas recouvert de loin le niveau de marché véhicules neufs d'avant la crise. Donc il y a une attente par rapport aux différents programmes de support du marché des véhicules neufs, que ce soit par les programmes de prime à la casse ou que ce soit par les programmes liés à la taxation des véhicules polluants et des véhicules qui ont un certain nombre de qui ont une certaine ancienneté sur le marché. Donc voilà, donc de manière générale comme investisseur et de manière spécifique comme constructeur automobile local. Donc je souhaite que l'on puisse vendre en local plus de production que ce que l'on vend aujourd'hui. C'est important pour nous, c'est important pour nos salariés, c'est important pour la Roumanie. Înainte de a vă pune, de fapt, ultima întrebare, îmi permit o remarcă ușor malițioasă apropo de vânzările pe piața românească. Sunt român, sunt trăitor aici și am observat că mai există încă reținere vis-a-vis de Dacia, Dacia fiind considerată Dacia de odinioară. Mă gândesc dacă cumva ați pune pe piață și modele cu sigla Renault, nu cumva v-ar crește vânzarea în România? Bon, tout d'abord, nous vendons les deux marques dans le pays. Et le positionnement des marques et des produits n'est pas du tout le même. Hein, puisqu'on a lancé Talisman pour Renault, on lance Mégane, Hatch, Mégane Sedan pour Renault. Donc ce n'est pas du tout le même positionnement, ni les mêmes clients que la marque Dacia. Donc comme je l'ai dit, la marque Dacia est une marque forte. C'est une marque forte en Europe. Ça marche bien. Quand on regarde en Europe, sur le segment C, sur les voitures vendues à particuliers, Duster est la deuxième voiture vendue. En Europe, sur le segment C, vente aux particuliers. Et sur le segment B, vente aux particuliers aussi en Europe, Sandero est la troisième voiture. Donc ça veut dire que vous, en tant que presse, et nous, en tant que constructeurs, nous devons continuer à montrer aux consommateurs roumains que la marque Dacia a évolué. Et c'est ce qu'on a fait avec les nouveaux modèles. Vous avez vu, quand la première Logan et la Logan 2, ça a beaucoup évolué en termes de design, en termes de modernité. Les phases 2 que l'on vend et que vous avez vu avec moi juste avant notre interview sont aussi beaucoup plus modernes. Donc nous continuerons à vendre des Dacia en Roumanie et nous souhaitons avec vous et avec tous les conducteurs de marque Dacia convaincre l'ensemble des Roumains que la marque c'est une marque fiable, abordable et moderne et qui est tout à fait bien perçue en Europe. Donc les Allemands achètent beaucoup de Dacia, les Français aussi. Donc il faut que dans le pays,
Ça change aussi, mais ça change aussi, puisque finalement, quand on sort des séries limitées type Prestige, ces séries limitées-là ont un très bon succès. Donc ça montre que les acheteurs ont des attentes par rapport aux produits, et c'est à nous à répondre à ces attentes et à les convaincre. Este evidentă revolta mea vis-a-vis de această situație a vânzărilor, unde, sigur, observăm, în Franța a cumpărat de 2 ori și ceva mai multe mașini Dacia decât România. În Germania, de asemenea, au fost vândute cu peste 10.000 de Dacii mai multe decât în România, iar noi din Germania continuăm totuși pe alocuri să importăm vechituri. Iertată-mi fie revolta, dar am vrut să mă explic de ce am fost ușor răutăcios. Donc c'est pour ça que je dis, on est leader en part de marché. Donc ce qui est important, c'est que le marché du véhicule neuf augmente. Et donc il faut donc pour que le marché du véhicule neuf augmente, de nombreux pays européens ont des mesures qui permettent cela, comme il y en a en Roumanie. Donc il faut continuer sur le scrappage programme et aussi sur tout ce qui est contrôle réglementaire. Et fiscalisation liée à la pollution. Donc, je sais que le gouvernement travaille dessus, donc c'est un point très important.